l'esplanade du rond-point Mathieu Kérékou ce samedi 6 juillet 2019. Les jeunes artistes de Parakou se succèdent l'un après l'autre sur ce podium pour montrer leur savoir-faire. Cela s'appelle Parakou Urban Music. Et les acteurs sont dans une posture futuriste. C'est Parakou Urban Music qui se passe ici à Parakou. L'événement, c'est pour démontrer ce que la nouvelle génération sort comme musique à Parakou. Parce qu'aujourd'hui, dans tout le monde entier, il y a une musique qui est en train de prendre. Et c'est ça la musique urbaine. Aujourd'hui, grâce à la fédération FEBAMS et grâce à Bruce Mann, cette musique, on veut la mettre en valeur. Donc c'est Parakou Urban Music. Aujourd'hui, ce soir, vous-même, vous allez le remarquer, il y a trop d'artistes, il y a une trentaine. Et tout Parakou aujourd'hui est en fête. Vu la victoire des écureuils, ça va avec. C'est une grande réussite et l'objectif, c'est de promouvoir la jeunesse béninoise, la musique béninoise et la musique paracoise. En de pareilles circonstances, le soutien des aînés est plus que nécessaire. Je suis le promoteur d'Evermancia, une agence d'événementiels qui soutient l'événement aujourd'hui Parakou Urban Music, initié par l'association AVCS, qui a pour l'objectif de faire la détection des talents et les produits. Je vous dis en même temps que je suis l'initiateur du label Black Golden. Nous vous promettons que ceux qui ont été détectés ici, leur promotion sera assurée par le label Black Golden que je gère moi-même. Parrain officiel de l'événement, les responsables de la direction générale du Fonds des arts et de la culture du Bénin ont préféré vivre en live ce moment convivial. Aïe, mime mon ouïe. Je voudrais simplement remercier et féliciter les initiateurs. Je voudrais aussi envoyer un petit coucou au maire de Parakou parce qu'il fait beaucoup pour la ville de Parakou. Il fait partie de ceux qui accompagnent les actions du chef de l'État. Je crois que tout est à son actif. Le Fonds des arts et de la culture se positionne pour accompagner toutes les initiatives qui contribuent à concrétiser la destination Bénin. Et désormais, comme on l'a dit, on ira jusque dans le fin fond pour détecter les talents, mais surtout pour les promouvoir. Félicitations à tous ceux qui sont en train de passer ici et ceux qui arrivent. Merci Parakou. Au nom du maire Charles Tocor, maire de la ville de Parakou, je vous remercie pour le soutien à cet événement qui nous révèle ce soir des talents jeunes. On a beaucoup vu et c'est pas fini, on a beaucoup rigolé et on a apprécié la jeunesse musicale de Parakou. Les organisateurs entendent mettre la période des vacances à profit en multipliant des spectacles du genre pour détecter et promouvoir des talents cachés.